Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. Mon Dieu. And be able to say a few things in French yourself. Robert is looking for Mireille. Just as he has given up hope, she comes up to him at a cafe, and they walk again to the Luxembourg Garden. Lo and behold, they discover they have an acquaintance in common. Robert then makes another interesting discovery. Mireille has a younger sister. Paris, le quartier latin. C'est le 30 mai. Il est 9h du matin. Robert sort de son hôtel. Il se promène dans les rues du quartier latin. Il semble chercher quelque chose. Il s'arrête devant un bureau de tabac. Et il entre. Je voudrais un timbre pour une carte postale. Oui, voilà, monsieur. C'est pour l'Argentine, par avion. L'Argentine, par avion, alors c'est 6 francs 30. Voilà, 6 francs, 6 francs, 6, 57. 57 et 3. Voilà, monsieur, merci. Où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres, par ici? À gauche, en sortant, monsieur. Merci, au revoir, madame. Au revoir, monsieur, merci. Robert se promène dans les rues du quartier latin. Il traverse la place de la Sorbonne. Il entre dans la cour de la Sorbonne. Il semble chercher quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Il passe sous les arcades. Il traverse le couloir. Il sort par la porte de la rue des Écoles. Il entre dans le jardin du Luxembourg. Il passe devant le Sénat. Tiens, il y a une jeune fille sur le banc. Qui est-ce? Ce n'est pas Mireille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas revenir à la Sorbonne? Mais si. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Allons, allons, le quartier latin, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça à Paris, voyons. Il y a l'île Saint-Louis, les Halles, Beaubourg, la Tour Eiffel, les Invalides, les Champs-Élysées, les musées, le Louvre, Orsay, Montmartre, l'Opéra. Non, ça ne vous intéresse pas. Vous préférez revenir à la Sorbonne. Comme c'est bizarre. Toi ici? Ben oui, je viens à la fac quelquefois. Justement, je voulais te voir. Tu sais... Plus tard. Tiens, c'est vous? Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Je regarde les gens qui passent. Excusez-moi pour hier, mais je devais amener ma petite sœur à son cours de danse. Mais puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Je ne suis pas pressée. Vous voulez bien? Oui, bien sûr.
si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? D'abord, mon hôtel n'est pas minable du tout. C'est un petit hôtel très convenable. Et puis, mon père est peut-être riche, mais pas moi. Je préfère être indépendant. Ah bon? Mais alors comment faites-vous? De quoi vivez-vous? Pour venir en France comme ça, il faut avoir de l'argent. Eh bien, quand j'étais petit, mes grands-parents, les parents de mon père, me donnaient toujours une centaine de dollars à Noël. Et puis aussi pour mon anniversaire. C'est cet argent que je dépense maintenant. Ah, je vois. Vous ne voulez pas prendre l'argent de votre père, mais vous n'avez rien contre celui de vos grands-parents. Mais dites-moi, si c'est la première fois que vous venez ici, vous ne devez connaître personne à Paris? Non, pas encore. Mais j'ai une lettre pour des gens qui habitent Quai de Grenelle. Je compte aller les voir demain. Quai de Grenelle, dans une des tours? Tour Totem, 59 Quai de Grenelle, Madame Jacques Courtois. C'est une amie d'enfance de ma mère. Madame Courtois? Mais ça, c'est formidable! Quelle coïncidence! Vous la connaissez? Bah, si je la connais, mais bien sûr que je la connais! C'est ma marraine! C'était la meilleure amie de ma mère quand elle faisait sa médecine. Madame, votre mère est médecin? Non. Madame, ma mère, comme vous dites, n'est pas médecin. Mais elle est chef de service au ministère de la Santé. Par contre, mon grand-père était chirurgien. Et mon père est chirurgien. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais des études d'histoire de l'art. Et je fais du karaté le samedi matin. Ça peut toujours servir, on sait jamais, comme dit ma tante Georgette. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas à l'école? Non, mais ça va pas. C'est mercredi aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Justement, maman te cherchait. Elle n'est pas au bureau? Mais non, elle était à la maison et elle te cherchait. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ça, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Bon, je vais voir. C'est ça, va voir. Et toi, où tu vas? Ben moi, je veux faire de la voile et je vais essayer le nouveau bateau de tonton Guillaume. Attendez-moi si vous voulez, je reviens tout de suite. Vous êtes le petit ami de Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Non. Alors qu'est-ce que je suis? Japonais? Espagnol? Italien? Américain. Comment t'appelles-tu? Marie-Laure. Et vous? Vous vous appelez comment? Robert. Vous la trouvez bien, ma sœur? Robert achète un timbre dans un bureau de tabac. Puis il cherche une boîte aux lettres. Où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres par ici? À gauche en sortant, monsieur. Il y a une boîte aux lettres à gauche. Ici, il y a un café à gauche. Ici, il y a un café à droite. Et ici, il y a un café à gauche. Attention maintenant, ça va être un jeu. Regardez bien. Ici, le café est à droite ou à gauche? À gauche, oui. Les taxis sont à droite ou à gauche? À gauche, bon. Et ici, les taxis sont à droite ou à gauche? À droite, bon. Et les bus? À gauche. La boîte aux lettres est à gauche en montant. En montant, en descendant. En montant, en descendant. En montant, en descendant. Vous cherchez une boîte aux lettres? Vous en avez une là, à gauche. Vous cherchez un café? Vous en avez un là, à droite. Vous cherchez une cabine téléphonique? Vous en avez une là, à gauche. Vous cherchez une agence de voyage? Vous en avez une là, à droite. Vous cherchez un hôtel? Vous en avez un là, à gauche. Robert semble chercher quelque chose. Ce jeune homme semble s'ennuyer. Marie-Laure semble dormir. Ici, Marie-Laure semble chercher quelque chose. Robert semble chercher quelque chose ou quelqu'un. Ici, vous voyez quelqu'un. Ici, vous voyez quelque chose. Quelqu'un? Quelque chose. Attention maintenant, ça va être un jeu. Qu'est-ce que vous voyez là? Quelqu'un ou quelque chose? Quelqu'un. Et ici,
Qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un ou quelque chose? Quelque chose. Et ici? Quelqu'un. Et ici? Quelqu'un encore. Et ici? Quelque chose. Et ici? Quelque chose. Et ici? Quelqu'un. Regardez, est-ce que cette femme cherche quelqu'un ou quelque chose? Quelque chose. Et ici, qu'est-ce que le monsieur cherche? Quelque chose ou quelqu'un? Quelqu'un. Bon, maintenant, observez ceci. Ça, c'est la Sorbonne. Robert est à la Sorbonne. Ça, c'est l'hôtel. Robert est à l'hôtel. Ça, c'est le Luxembourg. Robert est au Luxembourg. Ça, ce sont les États-Unis. Le père de Robert est aux États-Unis. À vous maintenant, regardez. Ça, c'est la terrasse d'un café. Où est Robert? Il est à la terrasse d'un café. Bien. Ça, c'est la bibliothèque de la Sorbonne. Où est Ousmann? Il est à la bibliothèque. Ça, c'est la maison de Mireille. Où est Mireille? Elle est à la maison. Ça, c'est l'aéroport. Où est Robert? Il est à l'aéroport. Ça, c'est l'école. Où sont les enfants? À l'école. Ça, c'est le quartier latin. Où est Robert? Il est au quartier latin. Et ça, c'est le café du départ. Où est Robert? Il est au café. Au café du départ. Ça, c'est le bureau de tabac. Où est Robert? Il est au bureau de tabac. Ça, c'est le Luxembourg. Où est Robert? Il est au Luxembourg. Maintenant, observez ceci. Ça, c'est la Sorbonne. C'est la cour de la Sorbonne. Ça, c'est l'Odéon et la place de l'Odéon. Ça, c'est le quartier latin. C'est une rue du quartier latin. Ça, c'est la rue des écoles. Hier, Mireille était pressée parce qu'elle devait amener Marie-Laure à son cours de danse. Ici, Marie-Laure amène Fido à Robert. Et ici, elle l'emmène. Amener? Emmener. Aujourd'hui, Mireille n'est pas pressée. Robert non plus n'est pas pressé. Il ne fait rien. Alors, Mireille propose à Robert d'aller faire un tour au Luxembourg. Allons faire un tour au Luxembourg? Je ne suis pas pressée. Vous voulez bien? Robert est d'accord. Il veut bien. Il accepte. Maintenant, Marie-Laure va proposer un bonbon à Madame Bello. Et Madame Bello va accepter. Écoutez ce qu'elle dit pour accepter. Tu veux un bonbon? Je veux bien. Robert et Mireille vont faire un tour au Luxembourg. Ils vont se promener au Luxembourg. Tante Georgette et Fido se promènent. Ici, c'est Tante Georgette qui mène Fido. Ici, c'est Fido qui mène Tante Georgette. Tante Georgette amène Fido au Luxembourg. Tante Georgette emmène Fido. Mener? Amener? Emmener? Promener? Mais dites-moi, si votre père est banquier, vous devez être riche. Alors pourquoi descendez-vous dans un petit hôtel minable? Le père de Robert a de l'argent, mais Robert préfère être indépendant. Voilà un jeune garçon qui est aussi très indépendant. Robert veut être indépendant, alors il n'a pas beaucoup d'argent. Il descend dans un petit hôtel. Ce n'est pas un hôtel minable, mais ce n'est pas un hôtel luxueux non plus. Ça, c'est un hôtel minable. Robert a un peu d'argent parce que ses grands-parents lui donnaient toujours de l'argent à Noël. Et puis ses grands-parents lui donnaient aussi toujours de l'argent pour son anniversaire. Voilà le premier anniversaire de Robert. Il a 1 an. Voilà le 5e anniversaire de Robert. Il a 5 ans. Robert est né le 23 octobre. Son anniversaire est en octobre, au mois d'octobre. L'anniversaire de Madame Eva aussi est en octobre. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Bon anniversaire, Madame Eva! Madame Eva, bon anniversaire! Et vous, c'est quand votre anniversaire? Moi, c'est en janvier. Janvier, c'est le premier mois de l'année. C'est l'hiver, il fait froid.
En février aussi, il fait froid. Au mois de mars, il pleut, il y a du vent, quelquefois de la neige. Avril, c'est presque le printemps. Les premières fleurs, les bourgeons. Au mois de mai, il y a des fleurs partout, des petits oiseaux. Au mois de juin, on fait les foins. Il y a des cerises. Le mois de juillet, c'est les vacances. En août, on moissonne. Il fait très chaud. Septembre, c'est la fin des vacances, la rentrée. On commence à faire les vendanges. Octobre, l'automne, les feuilles deviennent jaunes. On va à la chasse. Novembre, le ciel est gris. C'est la fête des morts. Décembre, l'hiver recommence. Les fêtes de Noël. Les vacances de Noël. On va faire du ski. Voyons maintenant si vous connaissez les mois de l'année. Regardez, c'est le mois de mai ou le mois de novembre? Le mois de mai. Et ça, c'est le mois de mars ou le mois de décembre? Le mois de décembre. Et ça, c'est le mois d'octobre ou le mois de février? Le mois d'octobre. Ça, c'est le mois de janvier ou le mois de juillet? Le mois de janvier. Et ça, c'est le mois de février ou le mois d'août? Le mois d'août. Les grands-parents de Robert lui donnaient une centaine de dollars à Noël. Une centaine, 100. 9, 10, 11, c'est une dizaine. 12, une douzaine. 15, une quinzaine. 100, une centaine. 1000, un millier. Voyons combien d'argent Robert a. La première année, les grands-parents de Robert lui donnent 100 dollars à Noël et puis 100 dollars pour son anniversaire. Ça fait 200 dollars. À 5 ans, Robert a 1000 dollars. À 10 ans, il a 2000 dollars. Et à 21 ans, il a 4200 dollars. C'est cet argent que Robert dépense maintenant. Il dépense les 4000 dollars de ses grands-parents. Il dépense cet argent en France. Il dépense cet argent pour le voyage, l'avion. Il dépense cet argent pour l'hôtel. Il dépense cet argent dans les cafés. Il dépense cet argent en cartes postales et en timbres pour écrire à sa mère. Marie-Laure dépense son argent en boules de gomme et Mireille en boucles d'oreilles. Tenez, regardez. Tu dépenses tout ton argent en boules de gomme. Et toi, tu dépenses tout ton argent pour des boucles d'oreilles. Robert dépense de l'argent français. Des pièces, 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs, des billets, 20 francs, 50 francs, 200 francs. 200 francs plus 100 francs, ça fait 300. Plus 100 francs, ça fait 400. Plus 100 francs, ça fait 500. Plus 500 francs, qui font 1000. Bon, voyons si vous reconnaissez l'argent français. Ça, c'est une pièce de 1 franc. Ça, c'est 2 francs. Ça, c'est une pièce de 5 francs. Ça, c'est une pièce de 10 francs. Ça, c'est un billet de 20 francs. Ça, c'est un billet de 50 francs. Ça, c'est un billet de 100 francs. Ça, c'est un billet de 200 francs. Et ça, c'est un billet de 500 francs. C'est la première fois que Robert vient à Paris. Il ne doit pas connaître beaucoup de monde. Non, pas encore. Pas encore. Il va connaître des gens plus tard. Mais pour l'instant, il ne connaît personne. Regardez Marie-Laure ici. Est-ce qu'elle a fini son travail? Tu as fini? Pas encore. Regardez ce jeune homme. Vous croyez qu'il a des enfants? Vous avez des enfants? Eh non, pas encore. Je ne suis pas marié encore. Robert ne connaît encore personne à Paris. Mais il a une lettre pour des gens qui habitent à Paris. Et il compte aller les voir le lendemain. Je compte aller les voir demain. Il compte aller les voir. Il a l'intention d'aller les voir. Observez ce que dit Mireille ici. Elle demande à Marie-Laure ce qu'elle compte faire. Bon alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, aller jouer au jardin. Est-ce que tu as fait tes devoirs?
Bah non, pas encore. Alors tu vas faire tes devoirs et après on verra. Oh. Les gens que Robert compte aller voir habitent quai de Grenelle, au bord de la Seine, dans une tour, la tour Totem. Voilà une tour, la tour Montparnasse. La tour Eiffel, une tour du Moyen-Âge. Une tour ronde. Une tour carrée. Une autre tour du Moyen-Âge. Les gens que Robert compte aller voir habitent une tour moderne. Tour Totem, 59 quai de Grenelle, Madame Jacques Courtois. C'est une amie d'enfance de ma mère. Madame Courtois est une amie d'enfance de la mère de Robert. Ici, vous voyez la mère de Robert et Madame Courtois quand elles étaient enfants. Elles étaient amies quand elles étaient enfants. Ce sont des amies d'enfance. La mère de Robert connaît Madame Courtois puisque c'est une amie d'enfance. Et Mireille connaît aussi Madame Courtois. Madame Courtois ? Mais ça c'est formidable ! Quelle coïncidence ! C'est une sacrée coïncidence. C'est une rencontre exceptionnelle. Tenez, voici d'autres coïncidences. Ma mère est française. Votre mère est française ? La mienne aussi. Quelle coïncidence. J'adore les fleurs. J'adore les fleurs aussi. Quelle coïncidence. Madame Courtois est la marraine de Mireille. Regardez. Ça, c'est le baptême de Mireille. Voilà Mireille, c'est le bébé. Et là, c'est la mère de Mireille. Et ça, c'est la marraine de Mireille. C'est Madame Courtois, la marraine de Mireille. Mireille a un père et une mère. Et puis, comme elle a été baptisée dans l'Église catholique, elle a aussi un parrain et une marraine. Madame Courtois et la mère de Mireille ont fait leur médecine ensemble. Elles ont étudié la médecine. Voilà des gens qui étudient la médecine. Voilà un médecin. Pour être médecin, il faut étudier la médecine. Un médecin, une personne, la médecine, la science, la profession. Le grand-père de Mireille était chirurgien, un médecin spécialisé dans la chirurgie. Un chirurgien, une personne, la chirurgie, la science, la profession. Mireille fait du karaté parce que ça peut servir, ça peut être utile. Bien sûr, le karaté, ça ne sert pas tous les jours. Mais ça peut servir un jour, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut être utile. Ça peut toujours servir, on ne sait jamais, comme dit ma tante Georgette. On ne sait jamais. Tenez, observez cette petite scène. Tiens, prends ton pull. Mais il ne fait pas froid. Ça ne fait rien. Prends-le quand même, on ne sait jamais. Allez. Aujourd'hui, Marie-Laure n'est pas à l'école. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas à l'école? Non, mais ça va pas. C'est mercredi aujourd'hui. Marie-Laure n'est pas à l'école parce que c'est mercredi. Le mercredi, il n'y a pas d'école. Il y a école le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi matin, mais pas le mercredi, ni le dimanche. Voilà les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le dimanche, on va à l'église si on est catholique. Ou au temple, si on est protestant. Le lundi, on travaille. Le mercredi, il n'y a pas d'école. Le jeudi et le vendredi, on travaille. Et le samedi, c'est la fin de semaine. Le samedi, on va à la synagogue, si on est israélite. Eh bien, c'est très bien tout ça. Maintenant, vous allez parler français. Écoutez le dialogue entre Marie-Laure et Robert. Vous allez répéter les réponses de Robert. Écoutez bien. Vous êtes le petit ami de Mireille ? Vous êtes anglais ? Pourquoi ? J'ai l'air anglais ? Non. Alors qu'est-ce que je suis ? Américain. Maintenant, à vous. Vous êtes Robert. Vous êtes le petit ami de Mireille. Vous êtes anglais ? Pourquoi ? J'ai l'air anglais ? Pourquoi ? J'ai l'air anglais ? Pourquoi ? J'ai l'air anglais ? Non. Alors qu'est-ce que je suis ? Alors qu'est-ce que je suis ? Alors qu'est-ce que je suis ? Américain. Voyons ce que vous savez. Si vous voulez envoyer une carte postale ou une lettre, il vous faut un timbre, voilà. Et puis, il vous faut trouver une boîte aux lettres. Vous en avez une là, à gauche. Oui, la boîte aux lettres est à gauche, mais le café est à droite. Qu'est-ce que vous voyez là ? Quelque chose ou quelqu'un ? Quelque chose. Et là ?
quelqu'un. Regardez Madame Bello ici. Est-ce qu'elle est au bureau? Non. Où est-elle? À la maison. Elle est à la maison. Qu'est-ce que c'est ce jardin? Vous le reconnaissez? C'est le jardin du Luxembourg. Où est Marie-Laure? Elle est à la maison? Non. Où est-elle? Au Luxembourg. Elle est au Luxembourg. Ça, c'est de l'argent français. C'est un billet de combien? C'est un billet de 500 francs. Regardez ces deux jeunes filles. Elles étudient la médecine parce qu'elles veulent être... Qu'est-ce qu'elles veulent être? Elles veulent être médecins. Les grands-parents de Robert lui donnaient toujours une centaine de dollars à Noël et aussi pour son anniversaire. 100 dollars pour son anniversaire. Eh bien, on vous donne 100 dollars pour votre anniversaire, vous? Moi, personne ne me donne 100 dollars pour mon anniversaire. Jamais, ça ne m'arrive jamais, 100 dollars. Dites, vous le trouvez bien, vous, ce Robert? Moi, non. Mais ne dites rien, je crois que je l'entends. Je vais voir. Ah, mon bâton, ça peut toujours servir, on ne sait jamais.